Aujourd'hui les gars, nous nous retrouvons sur un nouveau jeu qui vient de sortir cet été. Il se prénomme Once Humain, c'est un jeu de survie totalement gratuit que vous pouvez retrouver sur Steam. Et aujourd'hui les gars, le but de notre vidéo ce sera tout simplement de découvrir ce qu'il y a juste après le didacticiel ensemble. Et puis je vous laisserai vous de votre côté continuer votre aventure si vous avez kiffé le jeu. Ou tout simplement juste tester le didacticiel si vous le souhaitez. Yo, petit message pour toi mon frère ou ma soeur qui regarde la vidéo, je voulais juste dire, n'hésite pas à checker la description car il y a le lien de mon Discord et aussi rejoins-le parce que à l'heure actuelle je suis en recherche d'un modérateur. Donc si toi tu es chaud, viens me MP et évidemment je cherche aussi une communauté active, fiable et qui sera là pour me soutenir. Mais on a aussi des petits trucs exclusifs aux gens qui rejoignent le Discord. Quand on arrive dans le monde réel entre guillemets, parce que en suivant l'histoire de ce jeu, ici nous sommes dans le monde réel, on doit donc créer sa propre sa base de campement pour pouvoir établir sa maison, etc. Et tout simplement, il faut aussi délimiter une certaine zone où lesquelles on pourra bâtir nos constructions. Moi, j'ai donc choisi ici parce que je connaissais pas très bien le jeu en fait, et je voulais juste tester, je voulais juste voir ce que ça faisait d'établir son campement entre guillemets. Donc cet objet là les gars, c'est très très simple. Quand vous allez commencer le jeu juste après le didacticiel, vous aurez une sorte de créature qui lui possède des pouvoirs. Ce pouvoir là doit se recharger, et en fait nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le sollicite et on demande son aide pour pouvoir utiliser son pouvoir. L'un des objectifs que nous avons, c'est de retrouver une petite créature que nous avons perdue dans le didacticiel pour justement le dompter et avoir son pouvoir. Les stats que tu peux développer, ça c'est les points, entre guillemets, ça c'est les points. Enfin, j'ai déjà débloqué deux points parce que, enfin, deux talents, parce entre guillemets deux talents, parce que je sais pas comment on peut nommer ça. Mais en gros, c'est des talents que tu peux débloquer avec des points. Et ça, il y a aussi ça, donc je ne sais même pas à quoi ça sert, mais j'imagine que c'est des maîtrises mimétiques. Ouais, ça, on peut le découvrir tranquillement. Je peux aussi, voilà, il y a plein de trucs, en fait. Il suffit juste de cliquer un petit peu partout pour voir un petit peu où est-ce que t'en es. Débloquer ceci. Comment on fait pour obtenir ça? Il nous faut des lingots de cuivre et de l'adhésif. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut en trouver. Par contre, lingots de cuivre, ça, c'est ici. On a aussi des petites cartes, les gars, qu'on peut retrouver en haut à gauche. Je ne sais pas jusqu'à où ça va aller, jusqu'à où ça s'arrêtera. Avant que j'en arrive à là, ils nous ont demandé quelques petites choses que j'ai déjà réalisées de mon côté. Mais ils nous demandent tout simplement d'établir un établi de démontage. On va le faire maintenant. Hop là, ils nous disent comment on fait pour construire. Et le fourneau est listé sous installation. Cliquez pour accéder à l'onglet installation. L'onglet installation se retrouve pour pouvoir construire un établi de démontage. Il nous faut des lingots de cuivre, il nous en faut 10. Et pour pouvoir en crafter, je pense qu'il nous faudra un fourneau. Voilà. Et en plus, on peut même crafter du charbon. C'était ça ce qui manquait pour créer je sais pas quoi. Je vois le délire en fait. Je vais pas démonter ça parce que ça m'a l'air d'être trop important. Par contre, on peut démonter ça là. Ça c'est... Ah voilà. Là, on peut directement voir de l'adhésif, tu vois. C'est comme ça qu'on commence les bails, tu vois. Ok, j'ai capté le truc. J'ai donc pu réussir en quelques temps à construire une table d'équipement. On va pouvoir se faire notre premier gun. Franchement, c'est mon premier gun. Ouais, je suis assez content. Il y a plusieurs types de quêtes, en fait, qu'on peut réaliser. Tiens, il y a aussi des quêtes ici que je viens de voir, en fait, à la veille de l'évolution. Niveau 8. Ok, donc là, on a aussi des tâches qu'on peut réaliser. Et là, on a une carte. On a aussi un système de parachute comme sur Fortnite. Sauf qu'en fait, c'est notre fidèle compagnon qui nous fait le parachute. C'est un système que je trouve plutôt stylé dans le jeu, qui est propre à lui-même, mais ça, c'est plutôt cool. Ils nous mettent le sexe de l'animal à droite, je sais pas pour quelle raison. Peut-être que c'est qu'on peut les accoupler ou les dompter. Allez, go, go. Hop là, j'ai récupéré ce petit coffre. Moi, je voulais ça, je voulais ça, je voulais entrer dans la moto. C'est super, ça a l'air sympa de conduire. Hop là, les gars, là, c'est carré, on y va. Ça, c'est pour faire ça. Comment je... Ouh, tourne ça. Frère, on dirait moi dans la vraie vie, c'est incroyable, c'est incroyable. Suivez la piste de l'équipage. Récupérer. Ah, c'est un mec, ça? Un mec, ça? C'est une blague? Bon. C'est parti, les gars. Vous allez pouvoir... hop là. On va faire ça, là. Ça compte. Voilà, mais quelle rapidité, mais quelle rapidité. Mon frère, mon frère.
Ça me protège pas. Moi, je crois que ça me protéger. C'est trop une dinguerie. Après tout, c'est que des buissons, mon frère, aussi. Fallait pas s'y attendre à grand chose. Là, là, on est bien, les gars. Là, on est bien. Là, j'aime bien là, ce qui se passe là. J'ai l'impression, les gars, on est dans un Call of, je sais pas, tu vois. Là, j'ai l'impression, gros, on est dans un vrai délire. Là, j'ai l'impression qu'on est dans des films. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Gros, croyez-moi. Dès qu'il va lâcher l'anomalie, là, dès qu'il va lâcher le pouvoir, je le prends direct. Je change de registre là. Il a compris que c'était plus très utile. Attends, on va reculer un peu plus hein. Bon, et aussi les gars, ce que je voulais vous montrer, les gars, c'était mon pouvoir. Le pouvoir que... Pas maintenant. Et... Il est intelligent en fait. Il change de technique en fonction de mon déplacement. En fait. Eh les gars, là on va aller au corps à corps là. Il est mort. Vous voyez les gars, ça c'est un vrai jeu ça, tu vois. Bon voilà les gars, en fait vous avez un petit peu vu à quoi ressemblait le jeu. Avec un petit peu de montage, ça peut rendre les choses plutôt cool. Mais voilà, en gros c'est un petit peu ça le système du jeu. Franchement c'est un jeu qui est vraiment superbe. Moi les gars, pour ma partie découverte, on va s'arrêter ici. Il fait mal. Moi je vous laisse vous de votre côté voir un peu plus en détail ce qu'est le jeu. Je vous demande aussi les gars de nous suivre sur Discord. On peut peut-être jouer ensemble à ce fameux jeu là ou en live, ou tu vois, t'as capté, en notre compagnie. Tout ça c'est dans la description. C'est le serveur Wagile. Si vous n'y arrivez pas à rejoindre ce fameux serveur, dites-le en commentaire, je vais régler les problèmes et je vous enverrai un meilleur lien, parce que je sais que il y a des problèmes au niveau des liens Discord. Et sur ce les gars, bonne journée.